Bien-aimés et amis d'Adeseye et amis les internautes, nous sommes contents pour nous retrouver donc avec vous encore et nous saluons dans les précédents de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore ses amis, frères, c'est Luis Emanis et nous venons présenter la deuxième rubrique là, qui c'est la paix avec tous les hommes. Premièrement, nous avons avec vous la paix avec Dieu et nous avons deux raisons qui fait l'important pour gagner la paix avec Dieu. Mais je dis à n'importe avec vous la paix avec tous les hommes. Nous avons un texte que nous considérons et c'est toujours dans le livre Romains, mais cette fois-ci c'est Romains 12 verset 18. Et sous gagner en Bible, nous avons encouragé ouvrir avec nous pour nous lire Romains 12 verset 18 nous qui ça le dit. Romains 12, verset 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Après, il en croit avec vous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Qui importance les gagner pour en paix avec tous les hommes? Peut-être qu'on a pensé, bon, il y a des gens qui ont fait ça, je ne suis pas en paix en soi avec les gens qui ont dit qu'on est en paix avec tous les hommes, je ne suis pas en paix, je ne suis pas en Jésus-Christ. Oui, il est possible pour en paix, puis il est important tout pour en paix avec tous les hommes. Salomon est l'homme le plus sage, on a dit après Jésus-Christ, l'homme le plus sage, dans la grande sagesse, il dit ça. Dans Proverbe 17, verset 1, il dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Alors, capable de comprendre ça bien, l'on a mangé un morceau de pain sec, comment ça capable? Difficile. Tout le monde a préféré manger en pile viande. Mais Salomon dit qu'il préférait manger yon pain sec pour gagner la paix pendant la manger là au lieu pour manger un peu de viande dans côté qui gagne querelle, dans côté qui gagne bataille. Ok. Ma encourage, accordé avec ça, texte dit pour gagner la paix avec tous les hommes. Même j'en réconcilié avec Dieu à travers Jésus-Christ, ou gagner la paix avec Dieu. Qu'on y a besoin de la paix avec tous les hommes. Parce que, moun ouè ou pas gen la paix ensemble avec l'IA, li son moun même gens ensemble avec vous, li son créature, bon Dieu, même gens ensemble avec vous. Et qui sait, la vie a li long, qui sait, sou pas privé non intervalle, non espace, ou non nécessité, et puis c'est grand moun sa qui paraît. C'est grand moun sa qui sou chemin pour sauver. C'est grand moun sa qui sou chemin, c'est comme si la vie ou est dans plein main moun sa. Mais il arrive que ou pas en paix avec lui ou ennemi ensemble avec lui. Parfois penser ou pas besoin un tel. Oui, m'a dit ou besoin. Ou seulement par contre qui l'est ou par contre qui l'est, mais nous tout cap vivre sur la terre, nous yon nos besoin l'autre. Et puis l'autre raison encore Jésus-Christ lui-même, lui fait nous connaître. C'est nos parents, mais frère nous, c'est nous, comment pour nous faire dire nous remel. Alors, estimez que vous avez fait la paix avec Dieu, qu'on y a si vous faites la paix avec Dieu, il est nécessaire pour faire la paix avec l'homme, la paix avec voisin, la paix avec frère, la paix avec soeur. Parce que moun ou te avant, ou pas même moun nan encore. Et ça fait apporter Paul écrit dans 2 Corinthiens 5 verset 17 pour dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si vraiment toutes choses sont devenues nouvelles, c'est pas toutes les faciles parce que comme texte a dit s'il est possible, il y a un monde où il y a avec lui,
moun sa ni pa viv menm kote avèk ou, li nan peyi eranje ki lwen, ou pa gen kontak, ou pa gen telefòn ni, oui nou kapab konprann sa, men moun ou ka wè a, li depan de ou menm. Et ça fait texte ça li bien dit, li dit autant que cela dépend de vous. Première dimension la paix, c'était la paix avec Dieu, ça Jésus-Christ fait pour moi-même avec vous. Mais ça c'est moi-même avec vous qui besoin faire parce que ça dépend de nous-mêmes pour nous chercher pour nous en paix avec tout le monde. Si c'est un coup de téléphone pour nous faire, nous font coup de téléphone. Si c'est notre travail mon quel que soit moyen nous qu'on nous a rencontré à mon nom il dépend de nous-mêmes pour nous faire la paix parce que nous pas même nous noté hier encore même dans notre texte dans Hébreux je crois Hébreux chapitre 12 verset 14 ça lui même lui dit recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit rechercher. Le plus souvent, l'on rechercher un bagaille ou pas chita en place. Alors, puisque nous avons une importance qui gagne pour faire la paix avec Dieu, c'est parce que vous pouvez passer l'éternité d'un côté et m'encourager pour choisir l'éternité bienheureuse. Alors, texte a dit pour le Seigneur, ça veut dire dans l'éternité bienheureuse, et bien faut qu'on recherche la paix et la sanctification. Alors, non pas pour la sanctification, mais absolument rester dans la paix. Il y a un peu de monde qui dit mon paix avec un tel, mais pourtant, ce n'est pas en paix ou en paix, vrai, c'est silence qu'il fait. Zamim, frère, m'a pas encouragé et m'a bon conseil ça en tant que frère. Silence pas la paix. Ou ka gen problème avec yon moun, ou choisi pour faire silence, ou choisi pour pas dire rien. Mais nan kèw ke ou a déchiré, nan kèw ou est toute sorte d'affaire. Ça c'est pas la paix lié. Pas tromper tête ou même jan moi même tout pas tromper tête moi. Silence pas la paix. Mais la paix c'est la paix. Alors li dépend de moi-même avec vous, c'est responsabilité moi-même avec vous pour nous en paix avec tout le monde. Alors dans ça la demande pour nous pardonner. Jésus-Christ dit si nous pas pardonner frère nous et eh bien papa qui dans ciel là pas pardonner. On va comprendre ça mon frère ça bien mon ça ami ça il était offensé ou il était fomenti sou il était faux fâché il était acquis ou mais m'a dit bien sou pardonnel et wap kap gen la paix ensemble avec lui. Merci parce que t'as tendu nous et songe texte ça qui dit autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes. Et sans oublier sou gen commentaire écrit nous dans www.fsbcnewhaven.com. Bon dieu bénis à la prochaine dans troisième.